Bonjour à tous. Bonjour à tous, à tous, à tous et à toutes. Je viens vers vous pour faire un haul action. Eh ben oui, il y a longtemps que j'y avais pas été à action. Donc je vais vous faire voir. Je la mangerai après, ma petite sucette. Ce que j'ai trouvé hier. Donc hier, on était le 13 juillet. Et il faisait chaud. Surtout en fin de matinée. Mais j'avais quand même envie d'aller à Action, je suis allée à celui de Chemillé. Donc à celui de Chemillé, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, enfin, plutôt ce que j'ai acheté. Alors il y a du scrap, il y a du pas scrap et il y a du manger, parce que le manger, il n'y en a plus, j'ai déjà mangé. Bah oui, entre hier et aujourd'hui, c'est parti. Donc ça se mange pas, ça se mange pas. Non. J'ai trouvé des choses qui sont du scrap. Des choses qui n'en sont pas. Schlick, schlack, schlock. Tout ça dans mon gros sac. Mon ticket, je l'avais mis de côté. Pas le perdre. Le ticket. Il est là, l'étiquette. J'ai enfin trouvé ces fameux crayons. Je ne les avais pas trouvés jusqu'à maintenant. Les Rainbow Smooth. 3 néons included. Alors, c'est normal que je ne les trouvais pas parce que moi, je ne regardais pas du côté du rayon peinture. Là où il y a toutes les peintures, les papiers et puis les espèces de cadres à peinture. Là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a des carrés, des ovales, des cœurs, des toiles, voilà, des toiles de peinture. Et ben j'ai trouvé ces fameux crayons, ils étaient là dans le rayon peinture. Hein, c'est pour ça que je ne les trouvais pas. Donc, ces petits crayons, yon, ils sont à 1,99€. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-là, ça c'est les pas pastels, ils sont pas pastels ceux-là, ils sont glitter, ça c'est les glitters. J'ai pris donc ceux-là qui sont néons et les pastels que je voulais. J'ai pris une boîte de chaque. Donc voilà, les cré-cré, les yon-yon. J'ai trouvé les nouveaux petits blocs en 15-15. Donc j'ai pris celui-ci, avec la lumière ça reflète, donc j'en ai pris deux, donc il y a ça, il y a combien de pages, une page, deux pages, il y a deux pages ordinaires et la troisième page elle a du foil. Des jolies roses. Une, deux, des jolies roses avec un cadre fourreau. Là, c'est des roses en gris, qui sont en couleur un peu grisonnant. Donc, il y en a deux pages et la troisième, elle a deux fourreau. Là, ensuite, on a des roses comme ceci. Donc deux pages normales et une page avec avec quoi donc. Oh bah alors Hélène, avec des, alors là bah par contre c'est des petits points, plein de petits points, ça gâche un peu. Moi j'aurais préféré qu'ils laissent la, ils auraient fait un cadre comme tout à l'heure, ça aurait été bien, mais là des petits points, du rose comme ça. Donc il y en a deux. Après, ça c'est pas mal. Comme ça. Les roses comme ça. Avec le cadre. Là, comme ça, c'est bien avec un cadre autour. Ça va, ça, c'est pas gênant. Là, bah, on dirait qu'il y a des petites fleurs qui sont dessinées, mais vraiment, il faut vraiment s'approcher pour les voir. Donc il y a deux pages comme ça, puis après aller avec du four.
J'avais dit que j'arrêterais d'acheter des blocs. Hein. Bah, je débloque complètement parce que j'achète des blocs. Là, il y avait juste une phrase en bas qui est en foil. Time of groove. Time of groove. Non, time to groove. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'en sais rien. Dès comme ça. Et avec celle-ci. Et celle-là. Comme ça. Et là. C'est pareil, ils ont mis des petits points. Ça gâche la photo, l'image. Donc j'en ai pris deux comme ça. J'ai pris deux comme ça parce que j'ai un colis là qui doit partir. Je vais en mettre dedans. Tu vas en mettre dedans. Après, j'ai pris celui-ci. Design pad, c'est des couleurs violettes. Donc là, c'est comme un tissu écossais, mais c'est violet. Violet et jaune. Et puis là, il y a des petites, des petits points de foil. Comme ça. Donc pareil, il doit y avoir deux pages. Ouais, deux pages normales, une page avec du foil. Après, c'est les rayures. Donc deux pages rayures normales. Une page rayure comme ça. Ensuite, il y a celui-là. Deux pages comme ça et là avec le foil. Là, c'est quoi qu'il y a dedans? Des petits cœurs. Des petits cœurs jaunes. Dans les carrés, donc deux pages. Et puis là, il y a quelques carrés qui sont foil. Une foil violet. Là, on a un truc comme ça. Et là, avec les petits trucs foil, là, là. À foil, à foil. C'est des moulins à vent. Là, on a des grands carrés comme ça. Donc deux pages, pareil. Et là, aux intersections, il y a le petit carré de foil. Ensuite, là, on a des petites fleurs jaunes. Et petites fleurs jaunes. Deux pages comme ça. Et puis là, les petites fleurs jaunes, elles deviennent violettes. Ensuite, on a ce dessin-là. Avec celui-ci. Les lignes sont foilalala. 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 Là, on repart sur des rayures. Et là, on a ceci. Et on a deux pages comme ça. Et la dernière, c'est des petits points de foil dessus. Je pense que j'ai tout fait voir. Donc, c'est celui-ci. Donc, pareil, un pour moi, un pour mettre dans le carton. Là, j'ai pris ceci. C'est du rouge. Toujours faux foil. Donc, avec des petits cœurs. Ça, ça peut être sympa pour l'année prochaine. Bah ouais, déjà. Elle pense déjà à l'année prochaine, mais arrête, hein. Oh, ça va assez vite comme ça. Donc, il y a du foil, les petits cœurs comme ça. Eh oui, les petits cœurs de foil. Foil. Ça, on en a déjà vu des cœurs comme ça. Les cœurs. J'ai chaud et j'ai soif. Comme ça. Là, comme ça. Et 2h30. Des petits cœurs comme ça. Comme ça. C'est du rose là. Comme si. Comme ça. Ça c'est joli ça. Oh que c'est joli. Avec les midi foils. Il y en a quelques-uns en foil. Comme ça.
fait ma gymnastique moi aujourd'hui, comme ça. Il y a très peu de foils. C'est des tout petits points foilés, foilos. C'est des tout petits points, comme si. Comme ça. Comme si. Tiens, la prochaine fois, il faudrait qu'il fasse un truc comme ça dans les tons rouges, mais avec des coquelicots. Hein, pour ma cousine. Hein, action. Sortez donc des trucs avec des coquelicots. Comme ça. Ils avaient sorti un bloc, il y avait quelques pages coquelicots, mais je les ai déjà utilisées. Je les aurais pas utilisées, je les aurais envoyées à ma cousine. C'est un ancien bloc chez Action qui avait des coquelicots. Voilà, donc j'ai pris un pour moi, un pour mettre dans le carton. C'est 99 centimes les petits blocs comme ça. Les lions au caramel, ils sont mangés, il n'y en a plus. J'avais pris deux paquets à 1,69€, ils étaient en promo de la semaine. Il n'y en a plus. Et puis alors j'ai vu ça. Je me suis dit, mais c'est la première fois que je les vois. C'est des pochoirs. C'est des pochoirs et j'ai bien l'impression que c'est des nouveaux. Des nouveaux pochoirs. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est des nouveaux pochoirs. Parfait. Donc, hop, dans ce bloc-là de pochoirs, il y a 6 pochoirs. Non ? 6 pièces, ouais. Donc, il y a celui-ci. Oh là, ça bouge. Pas facile à vous faire voir. Celui-ci, donc je vais enlever, je vais mettre ma feuille verte. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Alors ils sont en format A6. Je crois que c'est ça, A6. Je sais pas si vous voyez bien. Pochoirs, les nouveaux pochoirs. Je pense que c'est des nouveaux. Celui-ci, hop. Celui-là. Et celui-là. Donc j'ai vu qu'il y avait, je crois, 4 paquets différents. J'ai pris deux seulement, deux paquets qui moi me plaisaient et que j'ai pris en double parce que je vais envoyer mon colis. J'espère le faire partir demain parce que c'est pour une participation de concours et anniversaire en même temps. Bah ouais, hein, d'une pierre deux coups. Donc j'ai pris deux fois ça. J'ai pris deux fois ça, un pour moi, un pour le colis. J'ai pris deux fois les mêmes. Donc je vais vous faire voir le deuxième. Alors il y avait les alphabets, mais bon, moi je n'ai pas pris. J'ai pas pris les alphabets. Et puis l'autre c'était pour faire plus pour faire du journaling ou comment on appelle ça là, ce que j'arrive jamais à faire là, dans les bouquins là. Faire des bullets de journaux, du journal. Donc là, il y a celui-ci. Donc c'est une fleur. Je vais mettre mon papier. Là, on peut faire différentes feuilles. Différentes feuilles. À essayer. Hein. Là, c'est une autre, on dirait une rose, ou je sais pas si c'est dans le bon sens. Une autre fleur. Là, c'est une fleur comme ça. Là, il y a différents feuillages aussi. Différentes sortes de fleurs ou de feuillages. Et là, c'est une autre sorte de fleur.
Donc j'ai pris deux. J'ai pris deux paquets comme ça. Donc un qui va aller à ma copinette et un qui est pour moi. Après, ouais, j'ai vu que quatre trucs différents, à moins que je me sois trompée. Et je pense vraiment que c'est des nouveautés. Je pense. Je pense vraiment que c'est des nouveautés. Donc là, pour moi, et là, pour ma copinette. Et j'espère faire partir le colis demain. Il faut que je le pèse. Il faut que j'arrive à le ficeler parce que j'ai pas trouvé de carton assez grand pour faire rentrer un truc que je lui offre pour son anniversaire. Et je sais pas comment faire. Il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve la solution rapidement. Rapidos. Je voudrais absolument qu'il parte demain. Parce que là, de toute façon, aujourd'hui, c'est férié. C'est férié aujourd'hui. Donc celui-là, pouf pouf pour moi. Pouf pouf pour moi. Et ça, j'ai dit que c'était les pochoirs. 94 centimes. Je vais finir par ça. Enfin, je vais pas finir. Je vous montrerai les deux autres trucs. C'est pas du scrap, les autres trucs. Ils ont remis les feuilles en 300 grammes noires. Ça, c'est génial. Ils les ont remis. J'en ai pris deux, du coup. Alors, est-ce que c'est exactement les mêmes ou pas? J'en sais rien. À Chemillé, ils les ont remis hier, 13 juillet. Ils y étaient. Donc j'en ai pris deux. Et les blocs comme ça de papier noir. Les blocs de papier noir. Les blocs de papier noir. Ils sont où? La chaise. Bah oui, j'ai pris une petite chaise pour enfant. À 2,79€. Petite chaise en plastique. Pour mettre. Je l'ai prise bleue. Pour mettre Louis. Ah oui, Lily Rose a sa chaise, Sarah elle a son espèce de transat là, je crois que ça s'appelle un transat. Et puis bah petit Louis il est tout le temps au lit, alors on va le mettre un petit peu sur une chaise, pour s'il va tenir. Hein. On va mettre une ceinture de sécurité. Et donc je cherche toujours mes blocs, 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 blocs d'aquarelle 1,89€ ça. 1,89€. Voilà, alors ce qui n'est pas scrap, mais que je vais m'en servir certainement dans le scrap. Là, je me demande si elle a pas été ouverte, ce truc. J'espère que c'est ça. J'ai vu sur une vidéo comment faire une. Comment elle faisait pour mettre. Pour faire une couverture d'album avec du tissu. Puisqu'on m'a gentiment offert du tissu, donc je regarde des vidéos. Parce que j'ai jamais fait ça. Donc la dame, la vidéo que j'ai regardée, elle mettait, avant de mettre le tissu, elle mettait elle collait des choses comme ça. Antistatique ou je sais pas quoi, là, pour faire un peu d'épaisseur. Donc j'espère que c'est ça, que je me suis pas trompée. Parce que je voulais pas. Apparemment, elles sont sèches, hein. Elles sont pas humides du tout. Donc j'espère que c'est vraiment ça. Ça y ressemble par rapport à la vidéo. Hein. Pour faire un peu d'épaisseur au lieu d'acheter du tissu exprès ou de la moumoute exprès. Ça c'est combien? C'est une bonne question. 89 centimes la boîte. J'ai pris deux boîtes. Parce que ça peut servir au ménage aussi. Hein. Allez. Et puis comme c'était en promotion de la semaine, je me suis pris deux petites boîtes de Ariel là, parce que ça c'est pour mon linge. C'était en promotion à 3,89€. Bon, il y avait à côté la grosse boîte, mais elle faisait presque, pas 10€, mais elle faisait 9€. Donc je voulais pas mettre 9€.
Là, avec les deux boîtes, j'en ai pour 7,78, donc ça fait pas tout à fait... Mais moi, ça me suffit. Parce que de toute façon, il y en a combien? Il y a 13 lavages. Ça me dure un moment. Donc là, j'ai de quoi faire 26 lavages. On fait en général une tournée par semaine. Quand on fait les draps, ça fait deux tournées par semaine. Donc je pense que c'est bien. Parce que l'autre jour, elle m'a dit « Ah, on n'a plus que trois !»« Ah bah oui, je vais en acheter !»« Ah, t'inquiète pas !» Je suis tombée au bon moment, ils les ont mis en promotion. De toute façon, dans les Super U et tout ça, c'est beaucoup plus cher. Alors. Donc voilà, c'était mon petit haul action de chemillet. Donc le prochain, je ne sais pas quand est-ce que ça sera, parce qu'il faut quand même ménager la monture. Donc je vous fais plein de scrap bisous, je vous souhaite un bon 14 juillet, puisque aujourd'hui on est le 14 juillet. Là, donc je vais aller me reposer. Pendant que l'ordinateur, je vais le rallumer, et pendant qu'il va travailler, moi je vais me reposer. Voilà. À bientôt, scrap bisous les copains et copines, à bientôt.